Bonjour à tous et bienvenue pour ce flash en direct sur Télé-Seven Sud. Un peu en retard, veuillez nous excuser. Nous avons dû réaligner les infos puisqu'il se trouve que la rue de la République devait ouvrir à 18h. Elle est ouverte maintenant. Voilà, il est 14h36 minutes. La rue de la République est ouverte à Béziers. Vous pouvez circuler. Alors, des travaux qui ont duré depuis 3 semaines, nous avons rencontré le responsable des travaux de Eiffage, l'entreprise Eiffage qui est basée sur Béziers, Montady plus précisément, et il nous a confirmé différentes informations que je vais vous donner. Il était donc hier, la rue était encore fermée, mais les travaux étaient finis. Il y avait une brouette un peu qui traînait, mais tout a été nettoyé. Les travaux dure depuis 3 semaines. La rue est déjà bloquée déjà depuis 3 semaines sur Béziers. La rue de la République, vous savez, vous avez le théâtre, vous avez les allées Paul Riquet, le théâtre, le rond-point, et la rue de la République donne et débouche donc sur le centre-ville et sur les halles à proprement parler. Donc une rue qui a été refaite complètement sur 25 cm, un revêtement qui a été complètement refait à cause de canalisations usagées. Et certaines plaintes à la mairie ont donné lieu à des plaintes ont eu lieu suite à ces désagréments, puisque la rue était bloquée et il y avait une déviation au milieu de la rue de la République. Donc on ne pouvait pas emprunter cette rue depuis 3 semaines. Des travaux qui s'élèvent à 40 000 euros hors taxes. On aurait pensé plus, mais il ne s'agit pas de gros gros travaux en fait. C'est assez impressionnant puisqu'on creuse sur 25 cm de profondeur, mais c'est du faisable. Il y avait 3-4 entreprises sur le coup, l'agglomération au niveau des finances et la mairie essentiellement. Des travaux qui se sont bien passés, ils ont terminé un jour en avance. D'ailleurs, c'était fini déjà hier. Et donc, je vous rappelle l'information du jour, c'est que la rue de la République à Béziers est donc ouverte. Vous pouvez l'emprunter. L'arrêté durait jusqu'à 18h. Elle devait ouvrir à 18h, mais c'est déjà le cas. Vous pouvez l'emprunter. Il est 14h37 précise. Nous sommes en direct. Et je peux vous annoncer que la rue de la République est ouverte à la circulation. Merci de votre écoute. Je pense que j'ai un peu fait le tour des différentes informations que je devais vous livrer sur ce sujet de la rue de la République et sur la chaîne Télé Béziers Sud qui a commencé déjà depuis lundi. On vous remercie pour vos likes, on vous remercie pour vos vues. La première vidéo de l'ouverture d'antenne a cumulé déjà plus de 2 000 vues en 3-4 jours. Merci, merci pour votre fidélité. Dernière information qu'on peut se poser, les ouvriers. Qui étaient-ils sur le chantier? Il y a des Portugais qui travaillaient sur ce chantier pour une des entreprises, mais des Portugais qui vivent en France. J'ai posé la question. Donc, c'est une question qu'on peut se poser sur de nombreux chantiers en France. Des étrangers viennent exprès travailler et certains disent bouffer le pain des Français. Emploie cette expression. Là, ce n'est pas le cas. On peut dire que ce sont des gens d'origine portugaise qui vivent en France et qui ont travaillé sur ce chantier. Pas que, puisque l'entreprise Eiffage emploie des gens, voilà, des Français, on peut dire. Voilà, n'ayons pas peur des mots et on dira les choses telles quelles ici sur Télé Sud Béziers, pas de tabou et la vérité et l'information telle qu'on vous l'a, telle qu'elle existe. Voilà. Donc, on peut dire que c'est une réfection de la voirie qui a donc eu lieu rue de la République. Je résume, elle est donc ouverte. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Eh bien, je pense que je vous ai dit, ouais, tout dit, sauf que ben, l'entreprise Eiffage a répondu bien sûr à un appel d'offres. Tout s'est fait dans les règles et cela s'est passé comme il faut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rue de la République que vous pouvez désormais emprunter. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à tous.